إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré. Celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous aura créé d'un seul être. وخلق منها زوجها, et qui a créé de celui-ci son épouse. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, et qui a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا, certes Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, afin qu'il pardonne vos péchés et qu'il améliore vos actions. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما, et quiconque obéit à Allah et à son messager obtiendra certes une grande réussite. أيها الإخوة الكرام, أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة. Ensuite, certes, la parole la plus véridique est le livre d'Allah, et la meilleure est la voie des guidés, la meilleure des voies est la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses est la nouveauté. Toute nouveauté dans cette religion est innovation, et toute innovation est égarement. Ayyuha al-ahbab wa ayyatuha al-akhawat, nous avions certes parlé lors de notre dernière rencontre sur le mariage az-zawaj, et sur ses mérites, et sur sa signification et sa définition, et son cas et sa situation dans la législation musulmane, al-shari'atul islamiyya. Et il nous est bon, ayyuhal ahbab, de continuer de parler sur ce sujet important. Ainsi, après avoir expliqué le mérite du mariage az-zawaj, le serviteur al-abd, lorsqu'il aura décidé de se marier, il lui incombe de faire le bon choix et de bien choisir l'associé de sa vie et le compagnon de son existence. Car le mariage, az-zawaj, ayyuha al-ikhwatul kiram wa ayyatuha al-akhawat, le mariage n'est pas simplement considéré comme une cause qui permettra la préservation de la race humaine. Et son but n'est pas uniquement d'assouvir les plaisirs et les passions al-shahawat. Mais lorsque le mariage est un bon mariage, ce sera le début d'une vie heureuse pour toujours dans ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah. Car la personne, lorsqu'elle choisit son compagnon dans ce bas monde ad-dunya, ce compagnon le suivra dans l'au-delà al-akhirah. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. Certes, les jardins du paradis où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants et de leurs conjoints et de leurs descendants qui ont été de bons croyants, de chaque porte les anges entreront auprès d'eux en leur disant paix sur vous pour ce que vous avez patienté, comme est bonne votre demeure finale. Et lorsqu'ils rentreront au paradis al-Jannah, on leur dira « Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm, wa la antum tahzanoun » الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Ô mes serviteurs, vous ne devrez avoir aucune crainte aujourd'hui et vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et qui étaient musulmans, entrez au paradis vous et vos épouses et vous y serez certes félicités. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bazzar et dont la chaîne de transmission a été authentifiée par Sheikh al-Albani dans Silsilatu Sahihah, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal fait certes élever pour le croyant al-mu'min ses enfants à son degré au paradis al-jannah, même si ceux-là ont moins œuvré que lui en action. Allah azza wa jal fera élever pour le croyant al-mu'min ses enfants dans le paradis al-Jannah, même si ses enfants dans ce moment d'ad-dunya et auparavant œuvraient moins pour lui, mais en récompense de ce qu'il a fait, ce parent, dans ce moment d'ad-dunya, il verra ses enfants le rejoindre dans son degré dans le paradis al-Jannah. Puis le prophète alayhi salatu wasalam, à la suite de ce hadith, lit la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ » بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتنا من عملهم من شيء. Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres. Tel est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala fera ainsi élever pour le croyant al-mu'min ses enfants à son degré dans le paradis al-Jannah, même s'ils ont eux moins œuvré dans les actions, mais afin que ce père ou que cette mère soit content et heureuse. C'est pourquoi, ayyuha al-ahbab, al-islam, la religion d'Allah al-wahid al-dayyan, aura incité à faire le bon choix, et aura encouragé à bien choisir son partenaire, et il aura incité ses tuteurs ainsi à accepter le demandeur en mariage, si celui-ci détient les conditions dans le fait de le marier et de ne pas le refuser. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنِ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, et n'épousez point les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une serviteur croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante et elle vous plaît. Et ne donnez point d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un serviteur croyant vaut mieux qu'un associateur, même si celui-ci vous plaît, car ces associateurs ne vous invitent et ne vous appellent qu'au feu an-nar, tandis qu'Allah vous appelle de par sa grâce au paradis et au pardon, et il expose ainsi aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque quelqu'un vient demander en mariage, dont sa pratique de religion et dont le comportement vous satisfait et vous plaît, mariez-le donc, et si vous ne le faites pas, ce sera une tentation sur la terre et un large désordre. Une tentation et une épreuve sur la terre, l'ard se répandra, et un large désordre et une grande corruption aura lieu. Tel est un ordre provenant de qui? Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si un demandeur en mariage nous vient, dont la pratique de la religion et dont le comportement nous satisfait,
nous devons le marier. Et il nous incombe de le marier. Et si nous ne le faisons pas, nous verrons ainsi apparaître une épreuve et une tentation sur la terre al-ard. Et un large désordre et une grande corruption. Et quelle épreuve plus grande, ayu al-ikhwat al-kiram. Et quel désordre plus énorme, ayu al-ahbab wa ayyatu al-akhawat. Que le tuteur fasse marier sa fille à un homme mécréant. Ou bien que le tuteur fasse marier sa fille à un homme libertin qui déteste la piété. Quel plus grand désordre que cela? Quelle plus grande épreuve que celle-ci? Que le père marie sa fille à un homme qui ne craint pas Allah. Que le père marie sa fille à un homme qui l'oblige à se faire belle devant les autres. Et qui l'oblige à se mélanger dans la mixité. Ou bien même à boire de l'alcool. Quelle plus grande épreuve que l'homme fasse marier sa fille à un vil homme qui ne prie pas. Et qui n'accomplit pas la prière à Salah. Ou bien pire, qui se moque de la prière et des prières al-musallin. Et certains nous ont raconté, dont nous faisons confiance, qu'une de ses proches s'est mariée un jour à un homme qui ne priait pas. Et cette femme pieuse accomplissait sa prière en son temps. Et alors ce vil homme honteux, lorsque l'heure de la prière arrivait, il attendait qu'elle se prosterne afin de faire des gestes derrière elle, en se moquant d'elle, et il la poussait et il l'empêchait d'accomplir la prière à Salah. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَىٰ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah d'accomplir la prière? Des hommes comme lui ne doivent pas être mariés. Et il n'est pas autorisé de le marier, car c'est une énorme épreuve, et une grande tentation, et un large désordre, et une grande corruption qui a eu lieu dans la communauté musulmane de nos jours, dans l'Ummatul Islamiyya, lorsque les tuteurs et lorsque les parents n'ont pas pris en compte les véritables caractéristiques de ceux qui devraient demander leur fille en mariage. Le tuteur maintenant, ayol Yahwa, et de nos jours, n'a maintenant de préoccupation que ceux que possède le demandeur en mariage, de ceux qui se trouvent dans la poche de ce demandeur, comme argent, et comme pouvoir, et comme royauté. Ce type d'homme, Yaourtil Karima, ne te marie pas avec lui. Celui qui te demande en mariage, mais qui ne se soucie pas que tu portes ou non al-hijab, qu'il te l'oblige ou non à l'enlever, celui-là n'est pas un bon mari. Pourquoi? Parce que s'il s'est satisfait de te voir dénudé devant les hommes rigels dehors, entrant et sortant dehors dans la rue, il est alors satisfait lui-même de voir les autres femmes, comme toi. Et ce type d'homme n'hésitera pas à regarder les autres femmes, et il ne craint pas Allah tabaraka wa ta'ala quant à suivre les parties des autres femmes, wal'ayadu billah. Car l'homme al-rajoul, plus il est jaloux pour sa femme, d'une façon religieuse guidée par la façon islamique, plus il est jaloux pour sa femme, plus ceci est une preuve qu'il aime sa femme et qu'il a peur pour sa femme. Car lorsque quelqu'un possède un bijou et lorsque quelqu'un possède une perle ou un trésor, une perle très précieuse pour lui, eh bien tu le vois préserver cette perle et préserver ce bijou. Et tu le vois faire tout son possible pour la préserver de tous les regards des gens, de peur de ses regards envieux et de ses regards vils. Et la femme est plus précieuse que la perle, ayol ikhwa. La femme est plus précieuse et plus chère chez nous et dans l'islam que le bijou ou la perle ou le trésor. La femme, ayol ikhwa tul kiram, elle a la tranquillité et la sérénité de l'homme. C'est la tranquillité de l'homme al-rajul et son compagnon dans sa vie de ce bas monde al-dunya. Et la mère de ses enfants al-awlad et son compagnon dans ce bas monde et dans l'au-delà al-akhira. كما الله تبارك وتعالى ندي ومن آياته أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi les signes d'Allah qu'il ait créé de vous pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté, et il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. أيها الإخوة الكرام, c'est ainsi l'homme pratiquant qui se doit d'être avancé. L'homme qui pratique sa religion ad-din, qui se doit d'être avancé lorsqu'il s'avance, et qui se doit d'être marié lorsqu'il demande en mariage. Car c'est l'homme pratiquant, celui qui pratique sa religion ad-din, qui fera attention à ta fille, ya Abdallah. Il la préservera de tous les maux, et il la préservera de tous les vices, et de tout le mal de ce bas monde ad-dunya, et de l'au-delà al-akhirah. L'homme pratiquant sera jaloux pour sa dignité et son honneur. L'homme pratiquant sera jaloux pour ta fille, ya Abdallah. Il fera ainsi en sorte de voiler ta fille et de l'éduquer selon le livre d'Allah, Jalla wa Ala, et de l'éduquer selon la sunnah du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Cet homme pratiquant qui n'a d'autre but que sa femme soit son compagnon dans le paradis, al-Jannah. Son but ainsi n'est pas simplement d'assouvir ses plaisirs,
ni de travailler, ni autre chose parmi les buts du mariage Az-Zawaj. Mais son véritable but, cet homme pratiquant et religieux, n'a d'autre but que le fait que sa femme soit comme le veut Allah tabaraka wa ta'ala. Et il l'englobe ainsi dans son aide. Et il accomplit par cela, et il traduit par cela la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuha alladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara. Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et votre famille, et votre femme et votre famille, d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Il aura compris cette énorme responsabilité. Ce mari est un homme qui demande en mariage. Et c'est lui qu'il faut marier. Et c'est lui le véritable homme, ya Ukhti al-Karima. C'est lui le véritable homme, contrairement à l'homme de ses rêves, et l'homme des rêves de cette femme, qui aura ôté et enlevé la raison et l'esprit de beaucoup de femmes malheureusement de nos jours. Cet homme est plus en droit de l'accepter. Cet homme pratiquant est plus en droit que tu l'acceptes, ya Ukhti al-Karima. Cet homme est plus en droit que tu sois sous le même toit avec lui et que tu vives ta vie avec lui. Quant à ce jeune paresseux et mou qui a laissé pousser ses cheveux à la mode la plus récente de l'Occident ou de l'Orient et qui a porté des habits serrés et qui s'est rasé la barbe et a suivi la mode la plus d'actualité et soit le dernier cri, au lieu d'avoir un siwak dans la bouche, il porte une cigarette qui pue. Celui-là n'est pas un homme, iwallah. Il n'est pas bon que celui-là soit ton mari, ya Ukhti al-Karima. Ce jeune paresseux et mou, ce jeune qui n'a pas de personnalité religieuse et qui copie ce que font les autres comme des singes et qui répète ce que disent les autres comme des perroquets, comme ce que disent les ennemis d'Allah Jalla wa Ala, il n'est pas bon d'être un mari pour toi. Même si c'est le plus beau des jeunes, et même s'il conduit la plus belle des voitures, et même s'il habite dans les plus beaux des châteaux et dans les plus belles des villas, car cet homme et ce jeune homme n'est qu'un homme de plaisir, n'est qu'un homme de passion, et il ne veut de toi, ya Amat Allah, et il ne veut de toi, ya Ukhti al-Karima, que ta beauté. Et wallah, du moment que tu es belle, tu seras son grand amour. Et tu seras ce qui rentrera dans son âme et dans ses yeux. Mais si tu perds ta beauté un jour, et si tu perds ta beauté un jour à cause d'une maladie, ou bien à cause du fait d'avoir grossi, ou bien pour une autre cause, il te jettera à la poubelle. Et wallah, car c'est un homme de plaisir, et un homme de passion. Et il ne désire de cette femme, et il ne désire de cette jeune femme que d'assouvir son plaisir et ses passions. Que d'assouvir son désir corporel. Et de l'autre côté également, il y a l'Ikhwatul Karam. De l'autre côté, certaines jeunes femmes n'ont le but que l'argent dans le mariage. N'ont de but pour le mariage, Az-Zawaj, que l'argent, Al-Mal. Elle attend ainsi l'homme le plus riche qui va la demander en mariage. Car elle veut porter les plus belles robes. Et elle veut monter dans les meilleures des voitures. Et elle veut vivre dans les plus belles des villas. Et elle n'a donc comme but et comme ambition et comme projet l'argent, Al-Mal. Telle est la balance pour elle qu'elle utilise lorsque lui vient quelqu'un qui la demande en mariage. Si quelqu'un de très riche vient la demander en mariage, elle accepte. Mais si, même s'il y a une grande différence d'âge, même s'il y a une grande différence d'âge, et même s'il y a un défaut sur cet homme, du moment qu'il soit riche, c'est pourquoi tu trouves, ya Abdallah, et tu trouves, ya Ukhti al-Karima, beaucoup de jeunes femmes mariées avec des hommes étant bien plus âgés qu'elles. Et elles acceptent la différence d'âge. Et elle peut même l'accepter, même s'il possède un handicap ou un défaut dans son apparence, elle l'accepte pour son argent et pour ses biens. Mais est-ce que cette femme aura la belle vie? Non, iwallah. Elle fera partie des femmes les plus tristes de ce bas monde ad-dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut certes véridique lorsqu'il nous dit « Ah malheureux celui qui adore ad-dinar, et ah malheureux celui qui adore ad-dirham, et ah malheureux celui qui adore al-khamisatu al-qatifa ». Et le hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu. Ainsi, lorsque cette femme, et si cette femme accepte ce type de mari, et ne tient compte que l'aspect matériel, et que les choses matérielles de ce monde ad-dunya, il se mariera avec elle, mais elle sera et elle demeurera tel un esclave que l'on a acheté dans les marchés al-Aswaq. Pour la moindre dispute entre eux, qu'entendra-t-elle de cet homme? Elle entendra malheureusement des paroles blessantes, et des mots destructeurs. Il lui dira... Je t'ai acheté avec mon argent. Et elle sera considérée comme un objet de demeure. Que son propriétaire peut échanger comme il le veut ou bien jeter. Pourquoi? Car elle aura voulu de lui l'argent elle-même. Et elle sera toujours malheureuse et triste. Et elle vivra toujours dans le malheur. Pourquoi? Car elle n'aura pas de valeur dans cette demeure et dans ce bas monde ad-dunya. Elle n'aura pas de valeur auprès de son mari. Et il sait aussi lui-même qu'elle n'a voulu se marier avec lui, malgré ses différences entre eux, que pour l'argent elle-même. Cette jeune femme ainsi n'aura jamais le bonheur. Et il y a d'autres femmes, ayol ikhwatul kiram également, qui ne prennent en compte pour le choix de leur mari
que celui de ceux qui les demandent en mariage que la beauté de son mari. Elle est alors éprouvée, comme fut éprouvée Imra'atul Aziz, la femme du gouverneur d'Égypte, au temps de Yusuf alayhi salatu wassalam. Et tout cela, elle est éprouvée par cela à cause des séries télévisées, al-musalsalat wal-aflam, et des films télévisés. Nous ne disons pas que la beauté n'est pas une chose importante dans le mariage, et qu'il ne faut pas en prendre en compte la beauté. Là, nous ne disons pas cela. Mais cela n'est pas le principal et l'essentiel dans le mariage. Et wallah, la jeune femme qui ne prend en compte que la beauté de l'homme, et qui ne veut qu'un homme élégant et mignon et charmant, et elle ne prend en compte de celui qui est moins mignon, qu'elle ne se marie pas avec elle, mais qu'elle veut choisir l'homme le plus élégant et le plus beau, et elle ne sera jamais heureuse avec ce genre de type qui sera moins charmant que lui, elle se trompe, yawallah. Mais c'est le contraire et l'inverse. Elle ne sera jamais heureuse avec son mari qu'elle aura choisi pour sa beauté. Pourquoi ? Car elle s'est mariée avec ce jeune et ce bel homme, mais elle aura toujours peur, et elle sera toujours angoissée, et elle sera toujours stressée et inquiète lorsqu'il sort. Et lorsqu'il rentre, si ce jeune homme élégant et charmant rentre un peu plus tard pour une bonne raison, à cause de son travail, elle va commencer à s'inquiéter et à songer, et son esprit la fera souffrir. Et elle se dira, pourquoi est-ce qu'il tarde? Et est-ce qu'il est dans le chemin pour rentrer chez moi, ou bien pour aller chez une autre? Car il est élégant et car il est charmant. Et s'il rentre, elle vérifiera dans son regard, et elle sentira ses habits, et elle regardera ses habits et lui demandera en jurant par Allah, pour quelle raison est-ce qu'il a tardé? Naam. Et elle sera alors toujours dans la peur, et dans le soupçon, et dans les accusations, et dans la crainte, et dans l'inquiétude, qu'il s'enfuit d'elle, et qu'il la lâche, et qu'il l'abandonne, et qu'il la perde, car elle n'a pris en compte que la beauté, al-jamal. La beauté, ayyuhal ikhwatul kiram, est une chose importante dans le mariage, al-zawaj. Mais ce n'est pas le tout, et ce n'est pas l'essentiel et le principal. Et nous avons cité auparavant dans les conférences précédentes, la femme d'al-ansar, al-ansariya, qui aura été éduquée dans l'école prophétique al-madrasatul an-nabawiyya lorsque vint demander en mariage Julaybib radiyallahu anhu. Julaybib, nous avions dit, un compagnon moche d'apparence, qui n'avait pas d'argent, qui n'avait pas de biens, qui était de petite taille, mais il portait dans sa poitrine une foi, et wallahi, plus lourde que les montagnes de Mecca. Et elle l'accepta radiyallahu anha wa ardaha, car c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a demandé pour cet homme. Mais certaines jeunes femmes également, ayyuhal ikhwatul kiram, ne désirent qu'un homme de réputation, qu'un homme de rang élevé, qu'un homme qui a une importance dans la société, et elles recherchent ainsi l'honneur et le rang élevé et la dignité sur les gens. Et si elle se marie avec lui, malgré la différence de culture, elle sera toujours méprisée, et elle sera toujours dénigrée, et elle sera toujours regardée avec mépris et négligence. Pourquoi cela? Elle sera-t-elle une bonne auprès de lui? Et il dira toujours que c'est lui le plus noble et que c'est lui l'honoré dans la société. Telles sont les causes, ayyuhal ikhwatul kiram. Telles sont les causes que beaucoup de jeunes femmes considèrent et les balances avec lesquelles beaucoup de jeunes femmes pensent et raisonnent et choisissent, si ce n'est la plupart des jeunes femmes de cette époque, malheureusement, ma'al asaf. Et elles ont pris cela comme une balance afin d'accepter l'homme ou bien de le refuser en mariage. Alors que la balance, al-mizan, ayyuhal ahbab, que la femme, al-mar'a, se doit d'utiliser, n'est autre que la balance de la piété et taqwa. Et la balance des bonnes actions, al-amal al-salih. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, ya ayyuhal nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu, inna akramakum inda Allah atqakum, inna Allah alimun khabir. Ô vous les hommes, nous vous avons certes créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des peuples et des tribus, afin que vous vous reconnaissiez. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Telle est la balance, ayyuhal ikhwatul kiram, avec laquelle les gens se doivent de choisir leur mari ou bien leur épouse. Et ceci est pour les hommes al-rijal et pour les femmes al-nisa. Ceci est pour les jeunes hommes et pour les jeunes femmes. C'est pourquoi il y a un hadith dans les deux recueils authentiques selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme est mariée pour quatre raisons. La femme est mariée pour quatre raisons. Pour son argent, pour sa réputation et son rang, et pour sa beauté et pour sa religion. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, choisis donc celle de la religion qu'Allah te rendrisse. Qu'Allah te rende riche. Choisis donc celle de la religion qu'Allah te rende riche.
Et les savants ont dit ce que taribat yadak ici veut dire qu'Allah te rende riche. Et d'autres ont dit cela veut dire qu'Allah te rende pauvre, mais dans la langue arabe, le sens inverse est voulu. Ainsi, le prophète alayhi salatu wasalam est un conseil qu'il a donné aux gens en leur incitant et les encourageant à choisir la femme de religion. Et Allah tabaraka wa ta'ala les rendra riches par cela. Que la personne se doit de choisir la femme pratiquante dans sa religion. Car la beauté al-jamal n'est pas le principal. Car l'argent al-mal n'est pas l'essentiel. Car le rang et la réputation n'est pas le plus important. Car cette beauté est vouée à disparaître. Et cet argent est voué à disparaître. Et ce rang et cette réputation est voué à être humilié et rabaissé. Mais la femme fidèle et la femme pratiquante dans sa religion ad-din est la femme qui patientera dans tous les moments difficiles. Cette femme pratiquante est celle qui se tiendra debout à tes côtés, ya Abdallah, le jour où les cordes lâcheront. Cette femme pratiquante est celle qui ne se séparera pas de toi le jour où les hommes se sépareront de toi. Cette femme pratiquante est celle qui traversera les mers et les océans avec toi lorsque toi tu désireras les traverser. Cette femme pratiquante est celle qui traversera les comtés et les régions lorsque tu voudras les traverser. Cette femme pratiquante est celle qui parcourra les pays et les continents lorsque tu devras les parcourir. Cette femme pratiquante, c'est celle qui restera à tes côtés lorsque les gens s'écarteront de toi. Et c'est celle qui restera à tes côtés lorsque les gens t'abandonneront et te délaisseront. Tel fut le cas, yol ikhwatul kiram, de Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha, avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en la défendant, en défendant Khadija radiallahu anha, c'est elle qui m'aura cru le jour où les gens m'ont traité de menteur. Et c'est elle qui m'a donné le jour où les gens m'ont privé. Radiallahu anha wa ardaha. Pourquoi ? Car c'est une femme pratiquante. Car c'est une femme qui a la religion ad-din. Car c'est une femme qui a la foi al-iman dans son cœur al-qalb. C'est une femme qui craint son Seigneur tabaraka wa ta'ala. La femme pratiquante sera toujours fidèle à toi, ya akhil karim. Elle ne te laissera pas et elle ne t'abandonnera pas. Et elle ne te délaissera pas juste car tu as perdu ton travail. Ou bien car ton argent a diminué. Ou bien car il t'est arrivé un problème dans ton corps. Wal-iyadu billah. Mais tu la trouveras toujours à côté de toi, dans les moments faciles et dans les moments difficiles. Et elle t'aidera, et elle te raffermira, et elle te soutiendra pour obéir à Allah. Et elle t'aidera à éduquer tes enfants dans ce qui satisfait Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi ? Car c'est une femme pratiquante. Car c'est une femme accrochée à sa religion. Car c'est une femme qui craint Allah tabaraka wa ta'ala. Et ainsi c'est pourquoi cette femme vertueuse est le meilleur bienfait de ce moment d'ad-dunya. Comme ceci a été rapporté dans le hadith, rapporté dans les sunnans d'Al-Imam Ibn Majah, avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Amr radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la vie de ce bas monde ad-dunya n'est que de la jouissance éphémère, n'est que de la jouissance temporaire qui partira. La vie de ce bas monde ad-dunya n'est que de la jouissance éphémère, et il n'y a pas de meilleure jouissance que la femme vertueuse. Et il n'y a pas de meilleure jouissance que la femme pieuse. La femme pratiquante ainsi est le nom du bonheur dans cette vie de ce bas monde. Et parmi les plus grandes causes de ce bonheur dans ce bas monde ad-dunya. Et écoute ce hadith, ya Abdallah, rapporté par l'imam ibn Hibban, avec une chaîne de transmission authentique selon Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quatre choses font partie du bonheur. La femme vertueuse, la vaste demeure, le voisin vertueux et le bon moyen de transport. Ce sont quatre choses qui font partie du bonheur du serviteur et du bonheur de l'être humain dans cette vie de ce bas monde ad-dunya, que si la personne possède dans ce bas monde, elle obtiendra et elle bénéficiera du bonheur dans ce bas monde ad-dunya. Quatre choses font partie du bonheur. Une femme pieuse et une vaste demeure et le voisin vertueux et le bon moyen de transport. Et quatre choses font partie du malheur. La mauvaise femme, et le mauvais voisin, et le mauvais moyen de transport, et la demeure étroite. Qu'Allah nous préserve de tout cela. C'est la femme pratiquante, ya Abdallah. C'est la femme pratiquante que ce jeune musulman se doit de faire des efforts, de trouver et de chercher. Et il est de même pour l'homme pratiquant, l'homme vertueux. L'homme qui sera jaloux pour sa dignité, et l'homme qui sera jaloux pour sa religion. L'homme qui défendra sa femme, et l'homme qui protégera sa femme, qui ne l'amènera jamais en perdition, qui aura peur pour elle des endroits de perdition, des endroits de turpitude et de désobéissance, qui mènera sa femme vers l'obéissance d'Allah,
qui mènera sa femme vers la piété à Allah et qui accomplira ses obligations envers elle qu'Allah lui a ordonné d'accomplir. Tel est ce type d'homme qui doit être avancé dans le mariage Az-Zawaj. Et si les gens ne font pas cela, et si les gens abandonnent ces principes, et si les gens ne respectent pas ces lois et ces règles, voilà que le grand désordre apparaît, et voilà que se répand l'énorme épreuve et l'énorme tentation, et telle est la grande corruption sur terre, comme a dit vrai le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, si vous ne le faites pas, ce sera une grande tentation sur terre, et un large désordre, et une grande corruption. Et telle est véridique les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tentation s'est répandue, et les désordres ont eu lieu, et la corruption est apparue sur la terre al-ard, et la balance des gens est devenue erronée ma'al asaf. Beaucoup de tuteurs, beaucoup de parents, beaucoup de pères et mères, ayol ahbab, n'ont maintenant comme but ce qui est dans la poche de celui qui demande la fille en mariage. Ce que possède celui-ci, le père n'a intérêt que de savoir quel est le poste de celui qui demande en mariage sa fille. Ou bien quels sont les diplômes de celui qui demande sa fille en mariage. Lorsque ceux qui devraient réellement être mariés ont été repoussés et mis à l'écart, eh bien la tentation a eu lieu. Et la corruption est apparue sur terre al-ard. Et beaucoup de jeunes femmes se sont lâchées malheureusement. Et la honte est apparue dans beaucoup de demeures. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsque les bonnes personnes, les personnes qui méritaient d'être mariées, ont été repoussées et ont été éloignées et mises à l'écart. Et lorsque les tuteurs ont rendu cela difficile et ont placé des pièges sur le chemin des hommes qui demandent leur fille en mariage, le désordre a eu lieu. Et les jeunes hommes et les jeunes femmes ont commencé alors à ressentir le feu du plaisir à Shahwa brûler dans leur poitrine à Soudour. Et il arriva ainsi ce qu'il n'était pas bon d'arriver. Et beaucoup de jeunes ont glissé dans l'illicite al-haram wal-ayadu billah. Pourquoi cela? Car les tuteurs, car les parents, car les pères et mères n'ont pas suivi le chemin prophétique. N'ont pas suivi la sunnah du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et ainsi, ayol ikhwatul kiram wa ayyatu al-akhawat, écoutons ensemble, car nous avons certes besoin de certaines pages illuminantes de la biographie de nos pieux prédécesseurs as-salafus salih, afin d'apprendre comment est-ce que l'on doit marier nos filles aux vertueux as-salihoun et aux pratiquants al-muttaqoun. Voici un récit, ayol ahbab, connu, que nous avons déjà cité auparavant, le récit de Khuthay, fils de Abdul Muttalib, Ibn Abi Wada'a radiyallahu anhu. C'était, rahimahullahu ta'ala, c'était parmi les pieux prédécesseurs, un élève parmi les élèves de Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah. Saïd ibn al-Musayyib était un grand imam et un grand savant, parmi les plus grands savants des pieux prédécesseurs as-salafus salih qui auront empli le bas-monde ad-dunya de sa science. Al-Khuthayr radiyallahu anhu dit un jour, et raconte, et il dit: je m'asseyais dans les cours de Saïd ibn al-Musayyib et il remarqua alors que je me suis absenté durant plusieurs jours. Et alors lorsque je le rencontrai un jour, dit-il, il me dit: que t'arrive-t-il? Et alors il dit, je lui dis: ma femme est morte et j'ai été préoccupé par cela. Et alors il dit: pourquoi ne nous as-tu pas prévenu avant afin que l'on prie sur elle? Puis Saïd ibn al-Musayyib ajouta: est-ce que tu t'es marié avec une autre femme? Et alors je répondis: mais comment pourrais-je me marier alors que je ne possède qu'un dirham ou deux? Et qui me mariera? Saïd ibn al-Musayyib lui répondit alors: moi je te marierai. Et il dit: le ferais-tu? Il lui répondit: na'am, oui. Et alors il loua Allah jalla wa ala, et il fit ses éloges, et il pria sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il maria al-Khuthayr à sa fille. Et alors al-Khuthayr dit: j'ai failli voler de joie. Puis je partis chez moi et je me disais: où est-ce que je vais m'endetter? Comment est-ce que je vais m'endetter? Il n'avait pas d'argent, ce pieux prédécesseur. Il n'avait pas d'argent, il n'avait rien du tout sur lui ni chez lui. Et il dit: ce jour-là, je jeûnais. Et je partis alors prier salat al-Maghrib. Puis lorsque je retournais chez moi, je mangeais mon repas. Et mon repas était du pain et de l'huile. Et je me disais: d'où est-ce que je vais m'endetter? Comment est-ce que je vais m'endetter pour avoir cet argent pour me marier? Et lorsque j'étais ainsi et que je réfléchissais, on toqua soudainement à ma porte. Et alors je dis: qui est-ce? On me dit: Saïd. Et alors il dit: j'ai alors pensé et je me suis remémoré tous les Saïd sauf Saïd ibn al-Musayyib. Pourquoi? Car cet homme, Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, on ne le vit pendant 40 ans ne faire qu'un seul trajet. Et pas autre trajet que celui-ci, le trajet de la mosquée à sa maison. Pendant 40 ans. Rahimahullah ta'ala. C'était le cas des prédécesseurs as-salafus salih. Pendant 40 ans, il ne prenait qu'un seul chemin.
le chemin de la demeure à sa mosquée et de la mosquée à sa maison. Et il apprenait la science auprès des cheyoukhs, et il possédait sa bibliothèque chez lui, et il prenait la lumière et il la transmettait aux gens. Et sa vie était ainsi, rahimahullahu ta'ala, pendant 40 ans, ayol ahbab. Et alors Al-Khuthayl dit, qui est-ce? Il me dit, Saïd, Saïd ibn al-Musayyib. Et alors je pensais qu'il était revenu sur sa décision concernant le mariage. Et alors j'ouvris la porte et je dis, qu'y a-t-il, ya Abu Muhammad? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu afin que je te vienne? Saïd lui dit alors, c'est vers toi que l'on doit venir. C'est toi qui mérites le plus que l'on doit venir vers toi. Mais écoute. Et alors il lui dit, j'ai su que tu étais un homme célibataire et je ne voulais pas que tu dormes cette nuit tout seul. Je regardais alors, Al-Khuthayl dit, je regardais alors et je vis sa fille debout derrière lui. Il la poussa alors dans la maison, il ferma la porte et il partit. Et la femme tomba alors de honte et de pudeur devant moi. Et il dit, j'ai alors caché le plat de pain et d'huile de honte d'elle. Puis je suis monté sur le toit afin d'appeler les voisins. Et ils dirent, que t'arrive-t-il? Il dit, Saïd ibn al-Musayyib me maria cette nuit et m'apporta sa fille sans me prévenir. Et ils dirent, Saïd ibn al-Musayyib te maria. Alors qu'il ne possédait rien, Al-Khuthayl, il était pauvre. Et il dit oui, et ils vinrent alors. Et sa mère vint. Et elle entendit l'histoire. Et elle lui dit, tu ne me verras plus si tu la touches avant que je reste avec elle pendant 3 jours. Et il dit alors, j'ai alors attendu. Et après les 3 jours, il dit, je rentrai alors auprès d'elle. C'était en fait une des plus belles femmes de la ville. Parmi celles qui avaient le mieux appris le livre d'Allah Jalla wa Ala. Parmi celles qui connaissaient le mieux la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi celles qui connaissaient le mieux les obligations qu'elle avait envers son mari. Il dit alors, je restais alors un mois entier sans assister à un cours de Saïd ibn al-Musayyib. Car il voulait rejoindre les cours ad-durus. Mais sa femme lui disait, où vas-tu? Tu veux aller chez ton père pour la science et l'ilm? Elle disait alors, la science de Saïd est ici auprès de moi. Reste avec moi et je t'enseignerai. Subhanallah al-Azim. Et il dit alors, je restais un mois, puis vint auprès de Saïd dans son cours. Et alors je lui passai le salam et le lui rendis. Et Saïd ne me dit rien devant les gens. Lorsque les gens partirent, il m'appela. Et écoutez la politesse et le comportement et la sagesse, il lui dit, comment va l'autre personne? En lui demandant sur sa fille. Comment va l'autre personne? Et alors il lui dit, ya Abu Muhammad, elle va très bien. Comme aime un ami et déteste un ennemi. Et alors Saïd lui dit, si il lui arrive quelque chose, c'est le bâton Al-Asa qui t'attend. En blaguant et en rigolant avec lui. Et alors il dit, il partit alors chez lui et il m'envoya 20 000 dirhams. 20 000 dirhams. C'est le père de la fille qui envoie à celui et au jeune homme qui s'est marié avec cette fille de l'argent. Et il lui envoie 20 000 dirhams. Regardez cet homme vertueux qui sera parti de lui-même marier sa fille. Il aura marié sa fille à son élève, car c'est un homme qui faisait partie des gens de science, ahlul ilm. C'est ainsi que se doivent d'être les gens annas. Ceci concerne la femme, al-mar'a, yol-ikhwatul kiram. Ainsi, il ne faut pas considérer la pauvreté des gens ou le manque de bien des gens, mais ce que l'on doit de considérer est la piété, al-taqwa. Et quant à l'homme, il se doit également de choisir la femme qui lui convient. Et écoutez ce récit rapporté par l'imam al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, radiyallahu anhu. Il dit, Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi, radiyallahu anhu, était un homme qui emmenait les pauvres de Mecca vers Al-Madinah. C'était des pauvres croyants qui ne pouvaient pas se déplacer. Et il les emmenait, il les accompagnait, car c'était celui qui connaissait le mieux le chemin. Et il y avait une femme appelée Anaq, qui était une prostituée et une fornicatrice. Et il dit alors, radiyallahu anhu, je pris rendez-vous un jour avec un homme parmi ses croyants pauvres, al-mu'minin al-masakin, afin de l'emmener de Mecca vers al-Madinah. Et je lui donnai alors rendez-vous à un mur des murs de Mecca. Et je partis alors auprès de lui, et lorsque je suis arrivé, je rencontrai alors cette femme, debout à cet endroit, et lorsqu'elle me vit, elle se rapprocha de moi, car elle me connaissait à l'époque de l'ignorance al-jahiliya. Et elle me dit alors, Marthad, il dit Marthad. Et elle lui dit, viens dormir chez moi ce soir. Et alors il dit, ya Anaq, Allah a interdit la fornication à Zina. Et elle dit alors, ya Ahla Mecca, ô gens de Mecca, c'est cet homme qui emmène vos pauvres. Et elle le diffama alors. Et il dit, je m'enfuis alors. Et je partis. Et je me cachai alors dans une grotte.
Et Allah les a alors écartés de moi, sauf que certains vinrent uriner à cet endroit. Et il dit, Wallahi, je me souviens alors, lorsque je ressentais leur urine sur ma tête, wal'iyadu billah. Puis il retourna à Al-Médine. Il retourna à Mecca. Et il prit cet homme à qui il a promis d'emmener auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et il partit avec lui à Al-Médine. Et lorsqu'il arriva au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ya Rasulallah, est-ce que je peux me marier avec Anaq? Et vous savez qui est Anaq, la fornicatrice et la prostituée. Est-ce que je peux me marier avec Anaq? Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se tue alors. Et ne dit rien. Fanazala qawluhu ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala révéla ainsi le verset, الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur, et cela a été interdit pour les croyants. Telle est la raison pour laquelle ce verset fut descendu. Ainsi le serviteur, ayat al-ikhwatul kiram wa ayat al-akhawat, se doit de faire le bon choix. Se doit de bien choisir, car ce qui écartera le plus le divorce at-talaq et la séparation et la divergence entre les époux, et ce qui apportera le bonheur et l'aisance dans ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhira, le fait de choisir la bonne femme et la femme vertueuse. La femme qui lui convient, que la personne choisisse la femme vertueuse et la femme pieuse, est-il donc, ayyuhal ikhwatul kiram, et ici se pose une question, est-il autorisé qu'un homme aille demander à un autre homme pour la fille du premier homme? C'est-à-dire, est-il autorisé qu'un homme demande la main, c'est-à-dire demande de donner la main de sa fille à un homme, et que ce ne soit pas dans le sens premier, et dans le sens inverse? Eh bien, la réponse est que oui, na'am. Et voyez, le pieux de Madian, qui un jour demanda à Moussa de le marier à sa fille, qu'a-t-il dit? Il lui dit, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et il a dit, je voudrais te marier à l'une de mes filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Al-Imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, sur ce verset nous dit, et dans la preuve, il y a une preuve qu'il est autorisé au tuteur de demander un homme pour sa fille. Le pieux de Médienne a demandé des enfants de Israël. Qui est le pieux des enfants de Israël? Moussa, il l'a demandé pour sa fille. Et il a pris également comme preuve, rahimahullah ta'ala, la demande de Omar ibn al-Khattab, radiallahu an, à Uthman pour sa fille Hafsa, et à Abu Bakr pour sa fille Hafsa. Et il a pris également la preuve de la venue de la femme qui a voulu se marier avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu an, cite que le mari de sa fille, lorsqu'il mourut, Omar, radiallahu an, partit voir Uthman. Et il lui dit alors, veux-tu te marier avec Hafsa, la fille de Omar? Uthman radiallahu anhu se tue alors. Subhanallah. Omar demande à Uthman si lui-même veut devenir le mari de sa fille, Hafsa, alors qu'ils étaient assidus à faire marier leur fille à ceux qui pouvaient avoir cette responsabilité. C'est pourquoi Omar était assidu à choisir des bons compagnons qui étaient capables d'avoir et de subir cette responsabilité. Ainsi, Omar propose à sa fille à Uthman. Et Uthman se tue alors. Puis Uthman vint le voir le lendemain et lui dit, je n'ai pas besoin de me marier. Puis Omar présenta sa fille à Abu Bakr. Et celui-ci ne dit rien du tout non plus. Et il se passa alors quelque chose dans l'âme de Omar radiallahu anhu. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques jours après, demanda Hafsa en mariage. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr partit alors voir Omar à la suite de cela et lui dit, je ne t'ai pas répondu, car je savais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé d'elle, et je ne voulais pas dévoiler le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, des exemples qui nous prouvent qu'il est autorisé à l'homme de demander à un autre homme de se marier avec sa fille. Mais les gens aujourd'hui ne réfléchissent pas de la même façon. Ils disent, comment cela? Cela est une honte auprès de nous. Est-ce une marchandise peu chère pour que je lui cherche un mari? C'est les hommes qui doivent demander la fille, et non le contraire. Est-ce que les hommes sont en faible quantité afin que je demande à cet homme de se marier avec ma fille? Et c'est la femme qui doit être demandée, ce n'est pas elle qui demande. Et voilà ce que nous entendons des hommes al-rijal de nos jours. Et wallahi wa l'ikhwatul kiram, si cela s'est passé et a eu lieu durant les meilleures des époques et les plus nobles des siècles, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en est-il de cette époque où des gens se prétendant être des hommes
mais qui ne sont pas véritablement des hommes. Ils ne sont pas en réalité des hommes al-rijal, ayyuhal ikhwatul kiram. Bien qu'ils soient en grande quantité, ce ne sont pas des hommes al-rijal. C'est une époque, ayyuhal ikhwatul kiram, où nous voyons et nous constatons et nous remarquons la présence de beaucoup d'hommes ressemblés à des hommes. Mais ce ne sont pas des hommes auprès d'Allah. Car le véritable homme n'est pas seulement celui qui se différencie et se distingue physiquement de la femme al-mar'a. Mais le véritable homme est celui qui possède les caractéristiques de l'homme al-rajul. Et Allah Jalla wa Ala aura appelé et aura décrit ceux qui prient en commun dans les mosquées al-masajid et ceux qui emplissent les maisons d'Allah Jalla wa Ala comme des hommes al-rijal. Que nous dit Allah Jalla wa Ala ? Fi buyutin adhina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu bil ghudwi wal asal rijalun. Dans des maisons, dans des mosquées qu'Allah aura permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elle matin et l'après-midi, qui ça ? Des hommes. Allah Jalla wa Ala les a appelés des hommes. Qui a témoigné pour eux que ce sont des hommes ? Innahu Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah nous dit également dans un autre verset, « Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Faminhum man qada nahbah, wa minhum man yantadhir, wa ma baddalu tabdila. » Et Allah nous dit, il y a parmi des croyants des hommes. Ainsi tous ne sont pas des hommes. Il y a parmi des croyants des hommes qui auront été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Ainsi celui qu'Allah aura témoigné être un homme est un homme. Et celui qu'Allah a témoigné ne pas être un homme, et ainsi ne détient pas les caractéristiques de l'homme, et de ce que font les hommes al-rijal, n'est pas un homme auprès d'Allah. C'est un homme physiquement, certes, mais pas un homme auprès d'Allah. Et l'homme réel auprès d'Allah est une chose malheureusement de nos jours qui se fait rare, ayyuhallah. Et nous devons maintenant, ayyuhallikhwa, parler de certaines règles concernant la demande en mariage. Allah Azza wa Jal a fait que la demande en mariage soit une introduction à ce mariage. Et la demande de mariage est le fait que l'homme demande au tuteur de la femme de la marier à lui. Et cela, que ce soit explicitement ou implicitement, que ce soit direct ou indirect. Et nous devons savoir qu'il y a des règles concernant la demande en mariage. Ce n'est pas toute femme, ya Abdallah, dont nous sommes autorisés à demander en mariage. Et ce n'est pas toute femme dont nous sommes autorisés à demander explicitement et ouvertement sa main. Et ce n'est pas toute femme dont nous sommes autorisés à demander indirectement et implicitement sa main. Ainsi les femmes sont différentes et se distinguent. Celle dont nous sommes autorisés à demander explicitement en mariage, c'est-à-dire ouvertement et directement, est la femme qui n'est pas divorcée. La femme qui n'est pas divorcée et qui n'est pas auprès d'un autre homme. Pour celle-ci, il est autorisé de la demander ouvertement et explicitement en mariage. Et que la personne la demande en mariage auprès de son tuteur, son père par exemple, ou bien son tuteur, et il lui dit « Je veux me marier avec ta fille ». Et ceci est une demande en mariage ouverte et explicite. Et il est autorisé de demander la main d'une femme indirectement et implicitement et non ouvertement et non explicitement. Et c'est la femme qui est en train d'attendre et de passer sa période d'attente, l'iddah, sa période de deuil. Une femme dont le mari est mort, ou que la femme est divorcée d'une façon où le retour est impossible. Il n'est alors pas autorisé ici de demander ouvertement et explicitement sa main. Mais cela est autorisé seulement qu'il la demande implicitement et indirectement. Et le sens de cela est qu'il dise à cette femme qui est en deuil, lorsque le deuil se terminera, informe-moi, d'une façon indirecte. Ou bien, quelqu'un comme toi est demandé en mariage. Et quelque chose ressemblant en cela qui n'est pas explicite, qui n'est pas une demande explicite et ouverte en mariage. Et la preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes, mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables. Et il en est de même pour la femme qui fut divorcée d'une façon où le retour est impossible. Lorsqu'elle aura utilisé, ou bien lorsque son mari aura utilisé le dernier divorce, le divorce où le retour est impossible, ou bien qu'elle ait elle-même demandé de divorcer à son mari en lui rendant sa dot. Avec cela, il y a eu ainsi un divorce, et il est alors autorisé de la demander indirectement et implicitement en mariage, et non ouvertement et explicitement. Mais si la femme est divorcée d'une façon où le retour du mari est possible et probable,
il est interdit de la demander. Ni implicitement, ni explicitement. Il est interdit de la demander en mariage, car elle est encore sous la tutelle de son mari. Et elle est encore sous la responsabilité de ce mari. Car le fait de la demander en mariage ici, alors qu'elle est encore dans sa période d'attente al-idda, la période de possibilité de retour de son mari, cela fait partie du complot contre son mari. Et si un homme a divorcé pour la première fois avec sa femme, ou bien pour la deuxième fois, il n'est ainsi pas autorisé à quelqu'un de demander cette femme en mariage, ni explicitement, ni implicitement. Pourquoi ? Car comme nous l'avons dit, elle est encore avec son mari, et elle est encore sous la tutelle de son mari. Et lorsqu'il voudra retourner avec cette femme, il le fait. Et ainsi, c'est pourquoi il est interdit de la demander en mariage. Et si quelqu'un vient la demander en mariage, ceci n'est pas autorisé. Et cette demande en mariage est interdite. Et ceci est un complot contre le premier mari. Telle est une règle parmi les règles de la demande de mariage, ayyuhal ikhwatul kiram. Le fait de demander la femme en mariage explicitement ou implicitement. Parmi les choses également que les gens doivent savoir, est qu'il est interdit à l'homme de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée en mariage. C'est-à-dire qui est demandée en ce moment en mariage. Et ceci est dans un hadith dans les deux recueils authentiques selon Ibn Omar radiallahu anhuma. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a interdit de vendre sur la vente de son frère et a interdit que l'homme demande en mariage une femme qui est demandée en mariage par son frère musulman. Sauf si ce frère l'accepte ou le lui autorise. Et s'il enlève son droit, cela alors n'est pas grave. Et la demande en mariage est autorisée. Mais si tu sais que cette femme a été demandée en mariage, il t'est alors interdit de la demander en mariage, toi, par la suite. Alors qu'elle est en ce moment même demandée en mariage. Car ceci cause la discorde et la rancœur et les disputes et les épreuves et les problèmes entre les musulmans et les muslimounes. Et le droit du musulman est devancé avant toute chose. Donc cet homme qui demande cette femme en mariage a son droit placé sur elle. Et il n'est donc pas autorisé d'enlever son droit. Et si quelqu'un dit, est-ce que si cette femme est une chrétienne et qu'un non-musulman l'a demandé en mariage, qu'un chrétien par exemple l'a demandé en mariage, est-ce que la situation est identique ? C'est-à-dire, est-ce que ici, le musulman qui la demande en mariage a le droit, ou bien cela rentre également dans l'interdiction ? Eh bien, ceci est connu dans l'école juridique Al-Madhab d'Al-Imam ou Ahmad, que ceci est propre aux musulmans seulement. Et si celui qui demande en mariage est musulman, il n'est alors pas autorisé de demander sur lui ou contre lui. Mais si celui qui a demandé en mariage en premier n'était pas musulman, il est autorisé de la demander en mariage. Et la parole la plus probable est le fait que ceci ne soit pas autorisé. Pourquoi ? Car si un musulman partait demander en mariage une femme, de l'autre côté, si un musulman partait demander en mariage une femme, et qu'un juif ou un chrétien l'a déjà demandé en mariage, que dirait le juif et que dirait le chrétien ? Ceci donnerait une mauvaise impression pour l'islam. Et il dirait encore que les musulmans transgressent les gens et ne respectent pas les droits des gens. Ainsi, il n'est pas autorisé que quelqu'un demande en mariage une femme alors qu'une autre personne l'a déjà demandé en mariage et que le premier demandeur, qu'il soit musulman ou non. Si quelqu'un a demandé une femme en mariage alors qu'elle avait déjà été demandée avant lui et que le mariage a eu lieu, est-ce que le mariage est valable ? Al-Imam Abu Daoud al-Zahiri, rahimahullah ta'ala, nous dit que le mariage ici n'est pas valable. Mais la parole la plus favorable et la plus probable entre tous les savants est celle de la plupart des gens de science qui nous disent que le mariage est valable, car ici l'interdiction n'est pas ciblée sur une condition parmi les conditions du mariage. Et ainsi elle n'annule pas le mariage az-zawaj. Et l'imam Ibn Hazm al-Zahiri nous dit qu'il est autorisé à un homme de demander en mariage une femme, même si celle-ci a été demandée en mariage par quelqu'un d'autre, à condition que le second homme soit meilleur en religion, en science et en dévotion. Telle est la parole de l'imam al-Zahiri. C'est-à-dire, si quelqu'un demande la main d'une femme, mais tu vois que toi tu es plus en droit de te marier avec elle, car tu crains plus Allah et tu es plus pieux que la personne première, alors que l'autre homme est un homme qui néglige ses prières et qui est impudique, ou bien qui néglige la sunnah et qui néglige les obligations envers la femme, et bien selon Ibn Hazm, il est autorisé de demander en mariage la femme alors qu'elle a déjà été demandée. Car ceci retourne dans l'intérêt de la femme, al-mar'a, et l'intérêt de la femme passe avant toute chose. Et il a pris comme exemple, rahimahullah, le hadith dans le recueil authentique d'Al-Imam ou Muslim et d'autres, du récit de Fatima bint Qais, radiallahu anha, qui a divorcé à trois reprises, et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a demandé de l'informer lorsque le délai d'attente se sera écoulé. Et elle l'informa alors. Et alors trois hommes,
partir alors la demander en mariage. Ainsi, il y a eu trois demandes en mariage en même temps. Trois hommes partirent alors la demander en mariage, qui sont Abul Jahm, wa Usama ibn Zayd, wa Muawiya ibn Abi Sufyan. Les trois hommes l'ont demandé en mariage. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, lui dit alors, quant à Muawiya, c'est un homme qui n'a pas d'argent. Quant à Abul Jahm, c'est un homme qui n'enlève jamais le bâton de son cou, c'est-à-dire qu'il est